à tous, ici Artie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo de tutoriel où je vais vous apprendre à comment gaufrer une perruque. Alors, déjà, il faut savoir qu'il y a deux utilités pour le gaufrage. La première utilité, c'est donner de la texture et la deuxième, c'est rajouter du volume. Donc, lors du tutoriel, je vais vous montrer où est-ce qu'il faut s'arrêter pour juste rajouter de la texture et ensuite pour continuer pour rajouter du volume. Donc, si vous voulez un petit exemple, voilà ce que donne une wig après avoir été gaufrée. Donc, on voit bien ici la texture. Je me regarde dans le retour, je suis désolée. Mais on voit bien la texture, etc. Donc, après, c'est très simple de styliser une perruque une fois qu'elle est totalement gaufrée. Je préfère gaufrer totalement une perruque parce qu'au moins, on a une texture qui est uniforme. Parce que même si on s'en sert pour ajouter du volume, la perruque aura quand même une texture différente. Donc c'est tout pour mon petit blabla de début, je vous laisse avec le tutoriel. Pour commencer, sélectionnez votre mèche. Ensuite, avec un fer à gaufrer ou le côté zigzag d'un fer à lisser, vous allez venir tout simplement chauffer la perruque comme je vous le montre ici. Cette technique est vraiment très simple, hein, il suffit de rester 5 secondes à chaque fois qu'on ferme le fer. Si vous souhaitez uniquement ajouter de la texture à votre perruque, vous pouvez vous arrêter là. Si vous voulez rajouter du volume, vous allez simplement crêper la mèche. Puis la rebrosser et si nécessaire, la recrêper une deuxième fois. Ici, vous pouvez voir que vraiment la perruque a doublé de volume à cet endroit-là. Ici, je vous montre comment styliser la wig une fois que vous l'avez gaufrée. Si cela est nécessaire, crêpez la mèche que vous voulez styliser. Commencez à former votre mèche, puis prenez de la laque. Appliquez-en sur la mèche, puis venez chauffer avec un sèche-cheveux. Le fait de chauffer la laque va la durcir plus vite et donc ça tiendra beaucoup plus longtemps. C'est tout pour cette vidéo. Je sais que le format est assez court, les vidéos sont vraiment très courtes, mais je préfère aller droit au but et je trouve que c'est beaucoup plus simple que de passer une demi-heure devant une vidéo où quelqu'un juste brosse une perruque. Vraiment, je trouve que c'est beaucoup plus pratique lorsque ça dure 10 minutes maximum les tutoriels. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu, vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ou en DM Instagram. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À plus !